Nous avons déjà parlé du fait que l'eau a une polarité. Un de ses côtés a une charge partielle négative et un de ses côtés a une charge partielle positive. Et nous avons parlé des comment ceci entraîne la création de liaisons hydrogène. Nous avons évoqué le fait que ces liaisons donnaient à l'eau des caractéristiques bien spécifiques. Et dans cette vidéo, nous allons aborder une des plus importantes de ces propriétés. C'est la capacité de l'eau à être un solvant. La capacité de l'eau à être un solvant. Cela signifie que certaines choses vont se dissoudre dans l'eau. Et c'est super important parce que c'est comme ça que la plupart de la chimie a lieu, en dissolvant des matières dans l'eau, qui du coup interagissent et rentrent en contact avec d'autres choses. Et c'est en fait ce qui se passe dans la cellule et dans le cytoplasme. Le cytoplasme, qui est constitué principalement d'eau, est un solvant qui permet à plein d'interactions d'avoir lieu entre différentes sortes de molécules. On peut se demander pourquoi l'eau est un bon solvant, et ce qu'elle peut dissoudre facilement, ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas dissoudre si facilement. L'élément clé qui fait que l'eau est un bon solvant, ou en tout cas un bon solvant pour beaucoup de molécules, c'est sa polarité. Si je prends du chlorure de sodium, NaCl, donc prenons NaCl, donc du chlorure de sodium, souvent appelé sous le nom de sel de cuisine. Le sodium et le chlore sont attirés par des liaisons ioniques. Le sodium a une charge positive, donc il lui manque un électron. Le chlore a une charge négative, donc il a un électron supplémentaire. Et ces deux atomes, du coup, s'attirent l'un l'autre, car l'un est positif et l'autre est négatif. C'est une liaison ionique. Et si on met le chlorure de sodium dans l'eau, quelque chose de spécial va se passer. C'est quelque chose que nous avons déjà tous expérimenté. Prends du sel de cuisine et mets-le dans l'eau et vois ce qui se passe. Tu verras qu'il va se dissoudre. Pourquoi il se dissout? Eh bien, dessinons ça. Donc, notre atome de sodium chargé positivement. Qu'est-ce qui se passe quand on le met dans l'eau? Eh bien, la charge positive, Donc, qui est ici en orange, elle va attirer le côté négatif des molécules d'eau. Donc, ça va attirer les parties oxygène de l'eau. Oxygène, oxygène, oxygène qui vont venir s'installer tout autour de l'atome de sodium. Et donc, on a toujours, de l'autre côté, nos hydrogènes pour former la molécule d'eau. Ces hydrogènes qui sont tous reliés avec des liaisons covalentes. Et si on indique les charges partielles, donc on a les charges partielles négatives de ce côté-ci et les charges partielles positives à l'extérieur. Donc les charges partielles positives à l'extérieur vont interagir avec d'autres molécules d'eau qui sont autour de l'atome. Eh bien, quelque chose de similaire maintenant va se passer avec le chlore. Donc si maintenant nous prenons l'atome de chlore ici, l'atome de chlore qui lui est chargé négativement, il va donc attirer non pas la partie des oxygènes, mais va attirer la partie des hydrogènes de l'eau. Donc il va être entouré d'hydrogènes. Ces hydrogènes qui chacun font toujours partie de l'eau et donc sont constitués avec de l'oxygène. On peut de nouveau dessiner les charges partielles. Du côté des oxygènes, on a donc les charges partielles négatives qui sont à l'extérieur cette fois-ci. Et à l'intérieur, celles qui sont attirées par le chlore, ce sont les charges partielles positives, les côtés hydrogènes. Donc ce sont tous les deux des ions. Ici, on a un cation. et là, on a un anion, puisque c'est un ion chargé négativement. Donc tu peux considérer quelque chose d'intéressant ici, c'est que si quelque chose est chargé, si c'est un ion ou qu'il a une polarité, c'est vraiment facile de le dissoudre dans l'eau. Et dans notre cas, pour parler de certaines terminologies, eh bien donc on avait l'eau qui est le solvant. L'eau est donc le solvant. Le chlorure de sodium, c'est le soluté. C'est l'élément qui va se dissoudre dans l'eau. On peut également dire que l'ion de sodium est un soluté. Et que l'ion de chlore est un soluté. Ils sont donc tous considérés comme des solutés. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Quel type de choses se dissout bien? Donc c'est ce qui est chargé ou qui est polaire. Les choses qui sont chargées ou polaires tendent à se dissoudre correctement dans l'eau.
Il y a un autre mot qu'on utilise pour ça, on dit qu'ils sont hydrophiles. On va dire qu'ils sont hydrophiles. Hydrophiles, pourquoi hydrophiles? Donc hydro, ça fait référence à l'eau. Et phile, ça fait référence au fait qui, ça veut dire qui aime. Donc, ce sont des éléments qui aiment l'eau. Et donc, tu peux te demander, ben, tout ce qu'on a vu, les molécules d'eau, c'est polaire, on a vu des ions chargés, et on a vu que c'était hydrophile, et que ça peut bien se mélanger avec l'eau. Mais quel serait donc un exemple de quelque chose qui ne peut pas bien se mélanger avec l'eau? Eh bien, en général, quelque chose qui n'a pas de charge, qui n'est pas polaire, ne va pas être capable de se dissoudre dans l'eau si bien. Un bon exemple, ce sont les hydrocarbures. Prenons par exemple l'hexane. L'hexane est un constituant majeur du diesel utilisé pour les voitures. Donc l'hexane, le préfixe hex, signifie 6. Donc ça veut dire qu'on va avoir 6 carbones. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien 6. Et toutes les autres liaisons se font avec des atomes d'hydrogène. Et donc on va avoir 4 liaisons par carbone. Ceci est donc l'hexane et n'a pas de polarité. Il ne forme pas de liaison hydrogène. Et donc si tu prends l'hexane et que tu le mets dans l'eau, il ne va pas se dissoudre si bien. Tu vas effectivement voir qu'il va perler. Tu peux voir que si tu mets du diesel dans l'eau, ça va perler. Donc les matières comme l'hexane, nous allons les qualifier de hydrophobes. Hydrophobes. Il va se former en boule afin de ne toucher l'eau qu'un minimum, car l'eau est attirée par elle-même et n'est pas attirée par ce genre de molécules. Donc hydrophobe, ça signifie de nouveau hydro, ça fait de nouveau référence à l'eau. Et phobe, cette fois-ci, ça fait référence, ça veut dire qui a peur. Donc ce sont les éléments qui ont peur de l'eau. C'est pourquoi c'est difficile de les mélanger avec deux. Et c'est pourquoi c'est difficile de mélanger de l'eau et de l'huile, ou de mélanger de l'eau et du diesel.